Alors aujourd'hui, Eric, tu nous accueilles dans le cadre de ton activité professionnelle qui est le Moulin de Tala. Voilà. Où tu organises donc des journées pêche. Journées pêche tous les jours, du premier week-end de mars au 11 novembre. Donc essentiellement, c'est la pêche à la truite. Avec des plans d'eau, avec des thèmes différents. Il y a un plan d'eau avec des truites portions pêche aux appâts naturels, quelques grosses truites dedans. Un plan d'eau un peu plus restreint avec des gros poissons. On peut pêcher à la cuillère ou l'heure en face, avec des truites qui vont de 1 à plusieurs kilos. Et ensuite des plans d'eau de pêche à la mouche qui sont au-dessus, où on ne pêche qu'à la mouche souhaitée, des truites qui font de 1 kilo à plusieurs kilos. D'accord. Et donc tu as aussi, dans ce cadre magnifique, une restauration, voilà, où tu sais accueillir les pêcheurs. Voilà, on peut se restaurer sur place, un restaurant sympa, on peut manger au bord de l'eau, on peut déguster de la truite fumée évidemment. Et puis diverses autres spécialités. Ok, et eh bien merci, on va découvrir ça tout de suite. Merci Eric. Alors ça Eric, c'est la dernière truite que tu as pris? Oui, voilà, c'est la dernière truite que j'ai pris ce matin d'ailleurs. D'accord, alors là on est dans ton super petit restaurant où il y a des milliards de coupes qui font partie de... c'est des coupes pour la pêche à la mouche, je voilà. pense. Hein. Voilà. Donc une partie gagnée par tes enfants? Alors une partie qui est gagnée par un de mes gamins, c'est ouais. Thomas, qui est en première division nationale, qui fait partie de l'équipe des jeunes. Ouais. Et un trophée que le club a gagné, les jeunes du club, puisque c'était il fallait le gagner 3 années de suite pour l'avoir définitivement, et le Salmon Club Moulin de Tala l'a gagné 3 années de suite avec 3 gamins, il a été gagné. D'accord, tu dis que ton club s'appelle le Salmon Club Moulin de Tala. D'accord. Bon, super, super. Alors voilà les plans d'eau et là les bassins de truites. Allez vas-y, tu peux nourrir. Ça, c'est la diabolique. C'est de la mort diabolique. Oh la vache, ça, c'est impressionnant. Hein. Impressionnant. Waouh. Des tonnes de truites. Oh putain, Léon. C'est ça le secret de la diabolique. Voilà le secret. Oh putain, comme ça les énerve. Impressionnant. Hein. Là, on est où là? Alors, on est derrière le. Dans un endroit caché. On est dans un endroit secret. Seuls les privilégiés ont le droit de venir. Et c'est l'endroit où il y a des poissons un peu bizarres. Alors, ça, c'est toujours ta propriété. Voilà. D'accord. C'est à côté du centre où on pêche, du Moulin de Tala, au cul du Moulin de Tala, complètement aval. Et là, tu vas essayer dans cette petite rigole où j'ai vu des poissons de taille impressionnante passer, tu vas essayer de nous capturer. Avec 2-3 poissons qu'on ne voit pas souvent dans les piscicultures. Allez, on y va. Alors, on va prendre une pario. C'est assez connu, c'est un petit saumon de fontaine. Waouh, putain, ils sont super. Allez, un peu bouboule. Alors ça, c'est une truite fario, ça? Une truite fario mâle. Tu peux y toucher? Ouais. Ah ouais, putain, le bec que ça. Mais elle est un peu bouboule, celle-là. Elle n'est pas aussi belle que je pensais. Et ça, c'est un saumon de fontaine. Et ça, c'est un saumon de fontaine femelle. Ok. On va en prendre deux exemplaires, un peu plus jolis. Ah, c'est super, c'est génial. Alors on est où là? Alors on est dans la partie où j'élève des poissons normalement. Vu que comme j'aime pas les poissons, j'ai continué de faire des aquariums pour les détester encore plus. Donc là c'est un jeu pour toi tout ça là, ou c'est des expériences propres? C'est un peu les deux. Un peu les deux. Un peu la passion. Donc là hop. Voilà, je fais des tests avec ces poissons là. Ça me permet de voir un peu. Qui préfère manger. D'accord. L'eau est à 25, c'est de l'eau chaude. Hein. D'accord. Dans les poissons rouges. Ah ouais, t'as vraiment. Il y a quand même quelques gardons hein, dedans. Ah, t'as mis des gardons aussi? Ouais. Pour voir s'ils mangent la mort diabolique. Ah, ils la mangent bien. Ah, et donc t'as vraiment. Oh là là, tout ce que t'as. Oh là là là. Oh là là. Et une véritable usine à gaz, bien sûr. C'est un gros. Des poissons par milliers. Donc, est-ce que t'en caches dans tes bourriches pour les peser? Oui, ou, j'ai un triple fond derrière et en fonction de la pêche, je libère les plus gros, les plus petits.
Ah, c'est beau, hein, la Diablonie d'ici. Ah, bah, ah, vous en voulez des poissons? Eh bien voilà, une truite en 10 centièmes. Voilà, petite idée, ma main, la truite. Je sais pas combien ça pèse. Beaucoup. Voilà. Wow. Ah, ça tient chaud. Ah, elle est un peu plus petite celle-là. Ah, c'est vraiment un endroit magique. C'est décroché dans l'épuisette, tiens. Allez ma belle. Alors voilà ce qu'est la pêche dans un cadre exceptionnel. Autant les pêcheurs sont pas beaux que le cadre est. Pas celui qui filme. Prodigieux, prodigieux. Alors ça, le problème c'est qu'ils boivent, donc on a emmené une brouette pour pouvoir les ramener après. Voilà, voilà le cadre. Les vrais pêcheurs, c'est des pêcheurs avec une bière. Alors Patrice, qu'est-ce qu'on me dit? Il paraît que c'est toi le rabatteur officiel des Diables Noirs pour chasser le Tankinkin Tantolera. Oui, exactement. T'as un appo pour ça? J'ai alors, montre-nous ton appo. Tu prends un morceau de canne. Et là, les bestiaux arrivent. Là, les bestiaux arrivent. Oula, qu'est-ce qui se passe? T'as pris quoi, là? Un marlin? Un marlin jaune? Oula, t'as pris quoi, là? Oh, putain, mais t'es un danger, toi. Alors, Patrice, tu le sens bien? Ah, t'en as déjà piqué une? Bien sûr. Oui. Non. Oula. Attends, encore une, elle n'est pas encore arrivée celle-là. Ah non, celle-là n'est pas arrivée. Au revoir, allez. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est plus grosse que celle de l'Éric. Non, mais on parle de la truite là. Ah, ben je parle de la truite aussi. Tu dois transpirer, t'as de ces auréoles sous les bras. Bon, t'as pris quoi? T'as pris la bonde du lac ou? Adieu, bon vache cochon. Oh putain, ce départ qu'elle a fait. Ouais. Alors 14, même ça tient. Hein. Ouais. T'as plus long d'élastique que de 4. Alors là, à mon avis, il y en a pour une heure pour que ça rentre. Il faut que tu montes debout sur la caisse, sinon t'y arriveras pas. Bon, t'as pas les bras sur moi. Ah non! Sauve-toi, sauve-toi. Sauve-toi, sauve-toi. Sauve-toi, sauve-toi. Bravo! Bravo! Oh, c'est une petite. Petite, petite. Oh, ça fait un kilo. Voilà les gardons du moulin de Tala. Bon bah monsieur Eric Principe, oui. Merci, je pense que cette visite du moulin de Talard a été vraiment plus qu'intéressante. Moi j'ai bien sûr filmé un maximum de ce que j'ai pu, mais en réalité c'est qu'un tout petit bout des mille choses que tu m'as racontées de ta passion de pêcheur. Donc j'espère avoir donné envie à tous les gens, non pas pour te faire gagner plus d'argent, mais pour découvrir ce merveilleux endroit de venir te voir. Donc bah, ton numéro de téléphone c'est facile, Moulin de Tala sur Google, sur Internet.
Et les gens vont trouver ? On n'a pas de site encore, c'est 03 86 22 22 61. Alors, ton numéro de téléphone, c'est ? 03 86 22 22 61. D'accord, et t'es ouvert tous les jours quand la truite est ouverte, sauf le mardi. Premier week-end de mars au week-end du 11 novembre, on fermera le 13, sauf le mardi. D'accord. Eh bien, écoute, merci, c'était très instructif et j'espère que les gens vont en profiter autant que tu peux en profiter aujourd'hui. Vive la Diablonie du Sud, vive le pied du lac de Pansière, le Morvan et puis surtout le moulin de Tala. Merci Eric. Merci. Thank you.